Une sortie pour protocole commotion. Titulaire pour le match du 15 de France face à la Namibie ce jeudi, Antoine Dupont a été remplacé par Baptiste Couillou dès la 45e minute après un choc au visage. Coupable sur l'action, Johan Dezel a écopé d'un carton jaune transformé rapidement en rouge. En première période, Antoine Dupont avait mis un terme à sa série de 18 mois sans essai 38e. Mais le capitaine des Bleus a quitté plus rapidement que prévu ses coéquipiers. Sur une action où la Namibie, menée 54-0 à la pause, pensait pouvoir inscrire son premier essai de la partie. L'arbitre est revenu sur une faute de Dezel sur Dupont. Au moment de passer le ballon, Antoine Dupont a été heurté à la tête par Johan Dezel après un plaquage de ce dernier. L'assistance vidéo a signalé ce fait de jeu à l'arbitre, qui a appliqué la règle du « bunker » pour infliger d'abord un carton jaune au joueur namibien. Sonné, Antoine Dupont s'est dirigé seul en direction des vestiaires. D'après France Télévisions, Antoine Dupont s'est rapidement dirigé vers l'hôpital pour effectuer des examens. Outre la commotion, le demi de mêlée pourrait aussi être blessé au visage. Une suspicion de fracture du plancher orbital existe après cette blessure. Le prochain match du 15 de France aura lieu le 6 octobre face à l'Italie. Les Bleus ont déjà connu plusieurs blessures ces dernières semaines. À l'image du forfait de Romain Ntamack.